c'est Clochette. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le fil rouge, la lettre W. Alors, pas facile. Donc, les mots sont washi, wearing, wenge, wagon, westy, waitia, week-end et wifi. Donc, moi, j'ai choisi le washi. Le wearing, c'est un câble emmêlé. Le wenge, c'est un bois foncé. Voilà, le Westie, c'est un petit chien blanc. Donc, on va jouer avec le bois. Alors, j'ai retrouvé ça dans mon établi. Donc, on va l'essayer. J'espère que ça fonctionne parce que sinon, ben, ça va pas être topissime pour mon fil rouge. Donc, ça fait des impressions de bois. Non, ça va peut-être être un peu difficile en raison du relief. Donc, on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc là, j'ai pris de l'aquarelle, hein, j'avais pas d'acrylique marron. Donc, bon, ben, c'est pas grave, on la travaille en épais. Hein, voilà. Donc, on va recommencer. Alors, je ne crois pas que j'y arrive comme il faut. J'ai fait un essai avant, pourtant. C'est pas si mal. J'ai vu un truc sur, je crois que c'est Internet. Donc, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'essayer. Alors, sans avoir le talent, bien sûr, de cette personne, elle trempait son poing dans la peinture. Et voilà. Et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que j'essaye. Donc là, on a un papier toujours. Dans quel sens j'ai travaillé? Il faudra que je tourne le travail. J'ai vu qu'elle faisait des traits aussi. Il y a quelque chose à exploiter. J'aime toujours tester ce que d'autres font. Je vois quelque chose de nouveau. Trouve ça assez rigolo. Voilà, donc là, je vais en avoir assez parce que bon, c'est foncé, hein. Mais le wenge, c'est un bois foncé. Donc, il va falloir que tout ça sèche. Je vous montre. Voilà, mais ça fait un effet bois quand même. Donc, je vais sécher. Et je vais tourner. Ah non, là c'est pas sec. Et je vais tourner le carnet dans votre sens. Je ne me trompe pas, non. Donc, j'ai du papier façon bois aussi. J'avais bien envie d'en mettre des chutes. Hein. Des chutes, c'est des papiers de Noël. Donc j'ai découpé ce petit personnage dans un magazine. Voilà, qui va tirer un wagon. Voilà. Alors le petit chien, ben moi je suis toujours avec mes petits chiens de Noël. Donc je lui ai coupé son bonnet et je lui ai mis une casquette. Donc il va rester par là, ce petit chien. Voilà. Et ensuite, ben, on va mettre du washi.
J'ai bien envie d'éclairer quand même, donc je vais mettre ce washi. Alors, s'il n'est pas trop vieux, parce que je me suis aperçue que j'ai des washi très très vieux qui se décollent pas en fait. Donc là, c'est des espèces de fleurs, mais ça fait un rappel de couleur. Donc, on va en mettre tout le tour. Au moins en haut et en bas, parce que je sais pas si j'en ai assez pour tout faire. Voilà, je vous remercie pour vos gentils commentaires pour le fil rouge de la précédente lettre. Donc, c'était le C. Et ça m'a touché, voilà. Donc, merci. J'espère que cette page vous plaira. Elle est encore une fois différente. Quand ce washi colle des deux côtés finalement. Alors c'est pas grave quand ça colle comme ça. Moi ce que je fais c'est que je passe un petit peu de talc dessus et comme ça le côté adhésif va disparaître. Qu'est-ce que j'en ai assez pour faire? Est-ce que j'ai envie de faire tout le tour déjà? Pas forcément. Alors, il y avait ce washi qui me fait penser un peu à du fil en mêlée. Donc, on va en mettre par touchant. Je vais voir après si je mets si j'en mets sur les côtés de l'autre. Voilà, ça fait aussi un petit rappel de bleu par rapport au costume du petit bonhomme, comme la casquette. Alors après, j'avais mis j'ai celui-là. Donc là, ça mettra des écritures. You look so beautiful. Je pense que ça veut dire tu es si jolie. On va rajouter une petite touche de jaune. Donc, petit rappel des cheveux. Donc ça c'est pour le mot washi. On va coller nos bouts de papier bois. Peut-être bien là, là. J'aime pas, là. Voilà, ça paraît simple et en même temps, c'est pas si évident que ça. Comme j'avais dit à Bérangère, ça me fait penser au Scrabble où on a tous fait la tête quand on avait la lettre W. Mais bon, une fois que j'ai eu trouvé un petit peu ce que je voulais faire. Voilà, j'aime bien ce que j'ai trouvé. Voilà pour le bois. Donc le bois c'est wenge, je crois bien qu'on dit. Je
Je vais coller notre petit copain. Alors, il est à moitié adhésif, lui. On va lui coller la casquette. On va coller notre petit bonhomme. Ouf. Après, on va mettre des tamponnages. Et puis, voilà. Alors là, par contre, évidemment, on déborde de colle. Alors, j'essaye toujours de remonter le retard, mais c'est vrai que je suis aussi en retard des cadeaux de Noël. Donc, voilà. Donc, le petit wagon va aller là. Ah oui, et il y a le wiring qui sont des câbles en mêlée. Alors des câbles en mêlée, moi j'ai pensé à ce tampon là. Voilà, qui fait très, je trouve très, très câble en mêlée. Et ensuite, dans ma petite planche des chats, il y a une espèce de pelote de laine aussi en mêlée là. Il va bien faire notre affaire. Donc, un plexi, on va déjà s'occuper d'un côté. Alors, je ne vais pas vous dire que je vais retenir Wiring, ça m'étonnerait que ça reste dans mon cerveau. Wenge, peut-être ça me dira quelque chose, mais c'est peut-être celui qui est le plus susceptible de que je retienne avec Westy. Alors, Whitey, c'est une fleur, je ne retiendrai pas. Wifi, bon, ça me laisse indifférente, totale. Donc, je n'ai pas retenu Wifi non plus. Mais c'est vrai que ce W reste le W. Alors, j'ai pas emmêlé grand-chose là. Toujours pareil. Le plexi, le plexi, le plexi. Alors, emmêler pour emmêler. Ouf, si je ne me mets pas sur le tampon, je risque pas de faire grand-chose. Alors c'est vrai que la page est foncée, mais bon, en même temps, je dirais que ça change un petit peu. Pourquoi pas? Toujours aussi difficile de tamponner ce papier texturé. Ouf! Voilà que j'ai un tampon sauteur. Ouf! Alors, on va essayer de prendre un peu plus, peut-être d'arrondi. Voilà, on va prendre la petite pelote. Alors, j'espère que la petite pelote, je vais pouvoir m'en servir comme ça. Donc, ben là, on va la mettre dans n'importe quel sens, hein. Là, ça ne va pas fonctionner.
J'aime bien, en plus que ça fait un petit peu bal, donc ça reste dans l'esprit un petit peu enfantin. Alors après, qu'est-ce que j'avais pris comme tampon? Ah oui. J'avais envie de celui-ci, ici, qui fait un petit peu câble emmêlé et que je vais mettre ici. J'aime beaucoup ce tampon-là aussi. Alors, attention ici avec la texture du papier. Essayez d'insister un petit peu plus. Voilà. Donc, je rajouterais bien une petite touche de jaune. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jaune. Est-ce que j'ai du jaune? C'est une bonne question. Alors, je vais faire attention de voir si tout sèche. Si tout est sec plutôt. Voilà, en même temps, j'avais envie de quelque chose de comme ça. Voilà, ben, je pense que ça va être fini. Je vais juste talquer. Mon washi qui pègue. Voilà, on dit comme ça chez moi. Et ma page est terminée. Donc, je vous la montre. Ah non, c'est pas terminé. Qu'est-ce que je dis? J'ai pas collé mes petits mots. Et mon W. Voilà, et mon W, je vais le mettre là. Voilà. Donc je vous montre. Terminé, ça donne ceci. Donc washi, wiring, donc les câbles emmêlés, wagon, Westy le petit chien et Wenge pour le bois. J'espère que cette page vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.